mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane le Geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous. Le tout le monde, Sofiane le Geek, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu de Dragon Ball Legends. Comme vous le savez, j'ai fait des invocations sur le nouveau Muten Roshi Sparkling et le nouveau Goku SSJ Blue Revive Nugate non maîtrisé LF et malheureusement, je ne les ai toujours pas eu. Alors, pas de panique, vous inquiétez pas, on va continuer bien évidemment les invocations car j'ai envie de les obtenir dans ma box. Et d'ailleurs, ce samedi, je serai en live ici même sur ma chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à activer la cloche pour recevoir les notifications et ne rien rater en termes d'invocations. Mais également, ce samedi matin, je vous sortirai une vidéo big interview en compagnie des comédiens des voix françaises de Dragon Ball. Donc, je compte sur vous pour le soutien et pour ne rien rater. Mais avant cela, j'avais envie de partir en PVP avec cette team-là et d'aller affronter les nouvelles unités, le Muten Roshi et bien évidemment le nouveau Nugate non maîtrisé LF et voir un petit peu ce que ça donne. Est-ce qu'ils ont réussi à voler la vedette à Gohan Beast, Gogeta Blue Ultra? Eh bien, c'est ce qu'on va aller découvrir dans cette vidéo. J'espère qu'il y aura quand même des adversaires qui auront ces nouvelles unités parce que sinon ça va être compliqué. Et ce que je ferai, c'est qu'en fait, je couperai et je vous laisserai les vidéos PVP où justement je tombe sur des adversaires qui ont Muten Roshi ou le Nugate non maîtrisé LF. Max de pouce bleu, mode Gekidama. On est parti. Yeah! Alors là c'est parfait les gars car il y a le nouveau hit, le nouveau Nugate non maîtrisé et le Muten Roshi. Voilà, c'est la cerise sur le gâteau. Donc voilà, et je vais partir avec Gohan Beast, le Gogeta et le tag SJ4 et du coup on va voir ce que ça va donner face à ma grosse team quand même parce que voilà c'est de la team méta. Parfait, il a pris les trois nouveaux persos. Alors là, c'est vraiment le top du top. Alors attention, parce que le Mafuba de Muten Roshi, ça peut me sceller un perso. Le One Shot de Hit, ça peut être compliqué. Puis le Rising Rush, voilà, en gros, mes trois persos peuvent mourir. Allez, let's go. Ok, parfait. Ok. Ok. Voilà. Donc voilà, avec Gohan Beast, hein, il n'y a pas de cover, rien du tout. Juste, on arrache. Ich. Voilà. Ok. Voilà. Ok, il a mis hit. Très bien. Ok, il va falloir faire attention à hit quand même. Sa jauge, j'ai pas encore rempli. Ok. Oh, les patates qu'il met, franchement, c'est violent. Hein. Franchement, c'est violent. Hein. En plus, il est bien étoilé quand même, son hit ultra. Il est vraiment violent. Ok. Parfait, ça. Ich. Voilà. Voilà. Il a mis Muten Roshi. Fais voir un petit peu les dégâts de Gogeta Blue Ultra sur Muten Roshi avec l'ultime. Ah ça pique hein. Ouais ouais ça pique, ça pique, ça pique. Ça pique, ça pique. Oh j'aurais dû faire la verte. J'aurais dû faire la verte. Quoique. Mafuba. Mafuba. Ok. Bon, le tag SJ4, il est bloqué. Très bien. C'est trop fort. Franchement, c'est trop fort. Donc là, j'ai vu l'attaque. Hop, on fait l'aspect. Ouf! Voilà. Redonne-moi le tag, s'il te plaît. Allez, voilà. C'est parti à la cuisine. Oh, le Muten Roshi, frère, il a pris cher, là. Oh là là. Ok, voilà. Donc là, Nugate, le revive. C'est beau. Franchement, c'est beau. Franchement, c'est beau. Ok. Fais voir la barre de vie, 1,6 million. Cuisine aussi. Ah ouais, c'est... Vas-y. Ah, vous... Enfin, vous voyez. Là, c'est... Franchement, pour voler la vedette à Gogeta Blue Ultra, les trois persos font pas le poids. Vraiment, les trois persos... Là, je viens de vous le montrer. Les trois persos ne font pas le poids face à Gogeta Blue Ultra. Il est bien trop loin, ce personnage. Mais c'est trop puissant. Je les ai envoyés, frère, à la cuisine avec Gogeta. C'est incroyable. Ah, super. Il y a enfin du Muten Roshi dans cette team. Il y a même le Hit Ultra. Il y a le nouveau Bergamo. Il y a une Vados 14 étoiles aussi. Ok, allez, hop, on prend les trois mêmes. On recommence. Il y a également le Goku Blue Kaioken Ultra. Alors, normalement, il va mettre Muten Roshi quand même.
Ah, ok, oh là là, j'ai eu peur. Ok, très bien. Mutant Orchid, il a mis également le nouveau Bergamo. Et bah tiens, certaines personnes disaient sur les réseaux sociaux que Bergamo était vraiment fort. Et bah, c'est ce qu'on va voir. Le nouveau Bergamo EX. Alors, Mutant Orchid, attention, avec le Mafuba, on va s'occuper de toi, frérot. Mutant Orchid, ton Mafuba, on va s'occuper de toi. Non, j'avoue, j'aimerais bien l'avoir, Gelsen. J'avoue, Gelsen. Allez, let's go. Donc, ok, bien Wedge, ouais, il a bien tempo. Alors, on n'oublie pas que Vado, ça ramène du pivot. Elle peut soigner également. Voilà. Ish. On monte tout simplement les Dragon Ball pour Rising Rush. Hein. Voilà, comme ça, j'ai récupéré l'esquive. Voilà. 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 Même à contre-type, du coup, je l'ai quand même bien amoché. Ah là 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 là. Oh bah voilà, bah toi aussi, tu t'es raté. Voilà, voilà. Ok. Le nouveau Bergamo. Ouais, bah là, ouais, il ramasse. Hein. Bah, forcément, là, la défense. Alors peut-être en attaque, ça doit être ouf. Mais là, la défense, ouais, c'est. La défense, c'est compliqué. Hein. Ok, Mutant Roshi. Ultime. Fais voir un peu l'ultime là, direct sur Mutant Orochi là. Fais voir. Ça a failli one shot. Ça a failli one shot les frères. En plus j'étais sur un perfect là. Ok. Oh là 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 là. Ok. Vados. Le Rising Rush hein, forcément. Il a mis le Bergamo, très bien. Je vais pas mettre l'aspect parce qu'il risque de mettre l'aspect. Souvent avec Gogeta les gens mettent l'aspect. Ah bah là il a mis la strike, hein, voilà, forcément. Donc là il lui reste un PV. Oh les dégâts, oh j'avoue, oh là là. Wesh, 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 wesh. Oh le Bergamo frère, les dégâts de ouf. Voilà. Hop, je fais une spé comme ça, il y a un kill c'est sûr, soit lui, soit il switch, soit... Voilà. Super. Ça dégage. Par contre j'ai été choqué des dégâts du Bergamo. Voilà. Oh non, bah oui, bah là, forcément, là. Ouais, bah voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà, 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 voilà. C'est reparti encore à la cuisine, dans les jupons de sa maman. Tartine de Nutella, tu la mets dans ta bouche. Et puis, bah, tu la fermes. Voilà, clairement. Non, c'est un truc de ouf. En fait, le Gogeta Blue Ultra, les amis, je sais pas si vous vous rendez compte, ils ont sorti un cyborg sur le jeu. Vraiment, c'est impressionnant. Enfin, Mutant Roshi. Depuis tout à l'heure, les gars, j'ai enchaîné les games. Il n'y en avait pas. Pas de Migaté, pas de Mutant Roshi. Et là, il y en a enfin un. Alors, hop, on prend les trois mêmes. En plus, il y a le tag. Il y a également le Zamasu avec la survie au chaos. Ça peut être pas mal. Hein. Sa team, franchement, ça peut être vraiment pas mal, là. Ouais, il va falloir vraiment faire attention, surtout avec le tag, ça va switcher le contre-type et tout ça. Ok, très bien, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Alors le Mafuba, en plus, il a quand même, avec des étoiles, le Mutant Orochi, j'ai vu, 5 ou 6. Ok, en plus, il joue bien. Il a bien... Très bien. Ok, Kamehameha. Oh là, la vache, les dégâts du Kamehameha. Ah, il fait mal, hein. Eh, Mutant Roshi, frère, il m'a fait mal, là. Ok. Très bien. Super. Voilà. Ish. Ah, il tank, hein. Ça tank en face, wesh. Voilà. Voilà, c'est mieux là, avec la verte et tout. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Du coup, il me voit attaquer. Ok, parfait. Voilà. Voilà. J'ai plus de ki. Ok. Oh là là, purée. Oh là là. Faut que je monte la... Faut que je monte la jauge là également. Voilà. Comme ça, après, pour Zamasu, au pire des cas, je pourrais repasser sur du vert. Par contre, là, il est en train de m'arracher. Et...
Aïe aïe aïe. Oh là 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 là. Parfait. Allez. C'est compliqué hein, parce qu'en fait il y a le Mafuba en fait qui me fait stresser. Et je me dis si je me fais enfermer le Gogeta, je suis mal. Allez. Ah ouais. Putain, ça tank bien. Ça tank. Hein. Ça tank en face. Voilà, hop. Ok, la mise à Masu. C'est chaud, hein. Franchement, la team, elle est costaud en face. Hein. Ça tank, il y a de la défense. Et en plus, ouais, ça a bien fait mal, là. Ah, j'ai pas le choix. Sinon, là, j'allais perdre le tag. Donc là, j'avais pas le choix. Même s'il va survivre. Et j'avais vraiment pas le choix. Ok, bon. Maintenant, il y a encore le Mafuba, attention. Le Mafuba, il peut me faire mal. C'est pas gagné. Hein. C'est pas gagné. C'est peut-être lui qui va m'envoyer à la cuisine. Hein. Ouais, ça c'est pas mal ça. Ok. Ok. Oui. Le petit rage quit qui a fait plaisir. Parce que là, l'ultime, après, ça y est, c'était réglé. Là, je l'avais attrapé. Il savait très bien qu'il pouvait plus faire le Mafuba. Donc, forcément, il savait qu'il allait la perdre. Ça fait vraiment kiffer, les amis, tout de même, de voir Muten Roshi, voilà, qui est sur la map. Hein. Vous le savez très bien, ça fait longtemps que j'attends. J'espère réellement que je vais le choper en invocation ce week-end avec vous en live. Voilà, clairement. Et puis, bah, Mugaté, franchement, bah, le fait que ce soit de type vert. Face à Gogeta Blue, ultra violet, les gars. On a vu, hein, c'était tout à l'heure. Hein, ça fait pas un pli. Hein. Voilà, clairement. Donc, n'hésitez pas à me dire vous aussi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Mais pour moi, Gohan Beast et Gogeta Ultra, eh bien, sont toujours au-dessus des deux nouvelles unités. Et n'oubliez pas également, ce samedi matin, grosse vidéo interview, comme j'ai pu vous le dire en ce début de vidéo avec les comédiens de Dragon Ball. Sur ce, la passion passe après les priorités. Ciao! Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super! Non, yeah!